gouvernement là, nous, pour nous, c'est ça sans objet. Parce que M. Tshilombo n'a pas gagné les élections, le gouvernement Moroté n'a pas président nommé, ce qui n'a pas. Non, M. Osakounate, donc, ni de près, ni de loin, concerné par cette forfaiture. Au contraire, nous sommes dans le combat pour rétablir le peuple dans ce droit. Un hold-up électoral au Salami en complicité avec M. Tshilombo. Donc c'est Kabila qui a réalisé pour la troisième fois le hold-up électoral en complicité avec M. Tshilombo. Tolobaki va député à la Mouka. Ils vont au Parlement comme de résistants pour pénaliser la population. Donc nous allons mener ce combat-là de la vérité des urnes. Et dès que le combat de la vérité des urnes sera gagné, vous allez voir que toutes ces histoires de 15 millions... Parce que ce n'est pas seulement l'affaire de 15 millions, madame. Ils ont octroyé des marchés publics de gré à gré en violation de la loi sur la passation. Bonsoir bandeko balandi ya Vision News Télévision na sepela kamingi soki tokutani susu na émission na bino tolobela mboka o tolobela kanini tolobela ka masolo ya politique masolo ya bakambi ya mboka na biso mboka munene o ezali ekolo Congo. En tout cas na sepela kamingi soki tokutani susu na émission na bino lelo lelo na yambi nani lelo na yambi moko ya ba communicateur ya la mboka o ezali pe cadre na kati ya parti politique munene ECD o ya ezali ekamba la présidente Martha Fayulu. Mais avant, j'ai invité Nangaï Yamouya Lilo. J'ai dit d'abord merci à Eric Abidel, mon réalisateur. J'ai dit merci beaucoup à Karine Karichou, la coordonnatrice. J'ai dit merci beaucoup à mon président Edgar Mokondi, mon président Talaka Kayo. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup aussi à vous, Baïnus Bolinanga, Mariana, Baopo Bolinanga, Biongate. Moi, ma commentaire, en tout cas, ça la va bien. Alors, sans plus tarder, Nakoya m'a invité Nangaï Yamouya Lilo. Bonjour, M. Adrien. Bonjour. Bonjour. Ça va? Moni masolo ya la muka to tay komo na calamité awa gouvernement ebimaki gouvernement ngwe bimaki mais cela qui peut moi temps pour être ba kondi o ba bimaki sika ba kende ko récupérer ba bureau na bango ya sika et le cas qui ndenge ni pour na ba membre o ya la muka to ba membre ya SID moi ba député muke o ba bimaki en tout cas le cas qui ndenge ni est-ce que na SID to na la muka vous appelez na moi ministre moko comment ça se passe ça? Maman Mariana, on a évité ce que tout na motuna po cholangai ou bien ça tout na motuna no tunyango vraiment motuna otunyango pose la réponse par respect na ba téléspectateurs, par respect dans langue panayo na kolobaka que obengi ngai communicateur à la Mouka, nazali secrétaire national en charge ya copia administration pe formation idéologique na kati ya SID o ezali parti politique ezali na kati ya plateforme dynamique pour la vérité des urnes. Donc, tout le monde sait qu'aujourd'hui, mon parti SID, ma plateforme dynamique d'opposition et mon regroupement politique, la Mouka, nous sommes dans le combat pour la vérité des urnes. Tout le monde sait que Tshilombo aza usurpateur. Lui et M. Kabila ont confisqué le pouvoir du peuple. Ils ont mis en place un gouvernement illégitime et les institutions illégitimes. Donc, au retour en Haïti, ce qui est mis en poste ministériel, dans quel gouvernement? Dans quel gouvernement? Dans le gouvernement, attendez, madame, autour de question, on a pris sa réponse. Ce gouvernement-là, pour nous, c'est sans objet. Parce que M. Tshilombo n'a pas gagné les élections. Tous les actes qu'il pose sont des actes illégitimes. Et nous, la Mouka, nous, Dynamique pour la vérité des urnes, nous, SID, avec notre peuple, nous sommes engagés dans le combat pour la vérité des urnes. C'est-à-dire le respect de la volonté des Congolais telle qu'exprimée dans les urnes. Donc, comment est-ce que cela va gouvernement Moroté, n'a pas président nommé, ce qui n'a pas. Non. Nous sommes Osakounate, donc, ni de près, ni de loin, concernés par cette forfaiture. Au contraire, nous sommes dans le combat pour rétablir le peuple dans ce droit, c'est-à-dire volonté naïe et zala
scrupuleusement respecté. Donc, question là, il y a un là-bas qui t'a mis tout, il y a un peu de cholanga, tout le monde. Vous êtes journaliste, vous comprenez. Monsieur Adrien Malenga, vous avez décidé, vous allez être député dans le Parlement. Na esidé toza na ba député na parlement. To si to solo na likambo maman Mariana. Na ebisa ki yo ke bien avant to kende na élection. Na niveau ya dynamique de l'opposition. To le voit ki option, nous avons dit nous n'allons pas boycotter les élections. Mais nous allons faire pression pour que nous puissions obtenir des élections qui soient libres, transparentes et démocratiques sans machine à voter. Tant que l'élection est salami. Na hold-up électoral au Salami en complicité avec M. Tshilombo. Donc c'est Kabila qui a réalisé pour la troisième fois le hold-up électoral en complicité avec M. Tshilombo. Tolobaki va député à la Mouka. Ils vont au Parlement comme de résistants. Comme de résistants au Parlement. Mais ils ne sont pas au Parlement pour être nommés ministres. Ou pour être, comment dire, nommés, je ne sais pas moi, mandataires. Parce que le mandat qu'ils ont, c'est le mandat du peuple congolais. Ce n'est pas Tshilombo ou Kabila qui les a mis là-bas parce que réellement. Ils ont le mandat du peuple. Le mandat qui est venu directement du peuple. Ils ont la poste à nomination. Mais le gouvernement, ils n'ont pas la poste à nomination. Ils ne peuvent pas faire partie de cette forfaiture-là. Ils sont au Parlement pour résister contre la volonté manifeste de M. Kabila de changer la constitution pour avoir une possibilité de revenir. Et c'est le deal qu'il a fait avec Félix. Et c'est ce que Félix a cautionné dans le deal Nabango. Donc, ils sont au Parlement, mais en tant que de résistants, ils vont mener des actions pour résister contre toute tentative au sein de Mapuna Ponako pour étouffer la démocratie dans le cannabis. Ok, M. Adrien Malinga, tout qui m'a dit Monsieur Vitel Kamere m'a sauvé à 150 millions de dollars. Hein, Monsieur Adrien Malinga. Ma solo, en tout cas, pour yo mon yango n'engeni. Ouais, on peut si biso moi avis na yo par rapport à ça. Pour être yo posa mon quoi, ma communicateur à la mouka. Tu as vu que critique est causé là, mais moi conseil par rapport à ma solo. Non, après ça conseil pas nani. Moutoua ibimbo ou à l'état, après ça conseil. Moutoua ibimbo ou à l'état, a le droit à conseiller. Sa place, c'est la prison, madame. C'est la prison. Quel conseil moi je vais donner à quelqu'un qui a volé l'argent? Là, n'a pas sa précision parce que Bamena c'est commis Koko Melabiso. Bah message, il y a Mabé commis Koko Melabiso. Ce n'est pas la Mouka, ce n'est pas Fayoulou qui a mis sur la place publique Ligamba 15 millions. Tomonagi Mikanda, Aner, Oba Sengaki, l'inspection générale de la finance, passe à la banquette pour un dossier à y a 15 millions. Bino na bino na top na bino. Comme vous avez coopéré avec la Kino Malobata, pouvoir na Kingakati, Bobendi pouvoir, et ça coopé na Bino pour s'enrichir, Bobendi na Bino pour pas dossier Bimi parce que Bamsou Balete, le peuple a eu 15 millions de dollars pour lesquels il y a. Et nous, en tant que gardiens de la République, en tant que patriotes congolais, en tant que des gens qui ont besoin de porter un mot par la Bissot et de la menti valeur, nous ne pouvons pas nous taire. Tu refais la kimiate affaire à 15 millions, madame. Nous avons des contacts avec des amis qui travaillent dans des entreprises pétrolières. La décompte qui a été effectuée sur le montant de 100 millions de dollars au baron va foutre dans l'entreprise publique pétrolière, c'est-à-dire 15 millions de dollars. Cette décompte-là n'est pas logée dans le compte du trésor public. Ça c'est ce qu'on appelle le détournement. L'argent de l'État place dans mon madame et dans la Kanaka dans ma compte à trésor. C'est-à-dire, ma compte bancaire est géré par le gestionnaire public. Ministère de l'économie, ministère de la finance, ma compte voilà. L'État, c'est ce qu'on appelle le compte du trésor public. Mon moyen dans la rebanque. Il faut pourtant un rapport préliminaire, il y a l'inspection générale de la finance. On a cité des noms. On a même donné le compte bancaire au Sikaba Virmé Salami. Monsieur Kamere va surger en Afrique pour dire que l'argent se trouverait dans un lieu sûr. Mais le lieu sûr, c'est où? Parce que le lieu sûr pour l'argent de l'État, c'est le compte du trésor. Ce n'est pas coffre-fort, mais ce n'est pas ma compte privé. Ce qui m'a l'État, le moins d'un compte, il y a l'État. Et quel est le compte privé?
détournement de Yangouana. 15 millions et Zomonanate. La réalité, madame, c'est qu'effectivement, il y a eu 15 millions de dollars qui ont été détournés. Dans ce dossier, la présidence est impliquée. Beaucoup des autorités, soi-disant, entre guillemets, bon, bah, autorité, bah, la Kingakati, des autorités de fait illégitimes, bah, ça impliqué dans le dossier. Wana. Et nous, nous n'allons pas nous taire jusqu'à ce que Togomona claire le dossier à 15 millions. Parce que les Congolais ne méritent pas ça. Ils avaient raison de jeter leur dévolu sur le commandant du peuple, Martin Fayulu Madidi, le 30 décembre 2018. Pour éviter ce genre de choses. Parce qu'au moins Fayulu est connu comme étant un homme droit, un homme intègre, un homme de valeur. Voilà pourquoi le peuple a jeté son dévolu sur lui. Mais les ennemis de la démocratie, les deux que je vais citer, M. Kabila et M. Tshilombo, ont torpillé la volonté du peuple pour amener le Congo là où il se trouve. Tout comme on a 15 millions de dollars qui disparaissent, on ne donne aucune explication. Et il y a des preuves, des enquêtes. Nous avons informé que l'inspection générale de finances a porté déjà plainte. Non, ce ne sont pas des faits aléatoires, ce ne sont pas des faits en l'air, ce sont des réalités. Il y a la décote, une décote de 15 millions de dollars qui devait revenir au trésor, ils ont détourné. Et ces gens-là sont impliqués. Donc, tout dans notre conseil, ils n'ont pas ça. Ce conseil n'ont pas ça, d'abord, la première des choses, bah, il va d'abord que, de mettre en compte la Kingakati, pouvoir aux gens, ils ont un peuple, ils ont abissoté. Bah, ils ont le peuple, pouvoir, la deuxième chose, la justice s'occupe d'un moment où ils vont en prison parce qu'ils ont détourné les deniers publics. Et monsieur Adrien Malenga, pour le phénomène xénophobe, pardon? Pour le phénomène xénophobie. Maman, on l'a dit, on l'a mis au Bénin. 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 On l'a mis au phénomène xénophobie, on l'a mis au Bénin. On l'a mis au Bénin du Sud, M. Adrien Malenga. On l'a mis dernièrement à l'université. On l'a mis au Bénin. On l'a mis au Bénin. On l'a mis au Ista. On l'a mis au Bénin. 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 Adrien Malenga, ce qui est là qui que pouvoir y a Martin Fayulu Ndenge Zalaki. Bolinga qui bondima vengeance ou anato bolinga botchaka kimia lokola ndeko nemso musu fa sengi ki. Non, oyobi l'état a un devoir ya ko protéger ba ressortissant naye sous le territoire national mais également et sikanyon so bango bazwami. Ça c'est la mission de l'état. Et xénophobie, acte xénophobie ça en Afrique du Sud to condamner en gros parce que tu comprends que les gens et l'Afrique du Sud va développer attitude va développer. Mais il faut aller plus loin. Parce que quand je rentre quelques années en arrière, maman Mariana, je vois la qualité des Congolais. Ou même les Congolais qui se déplacent pour aller en Afrique du Sud. Na Monique et Baïbi en Afrique du Sud, le meilleur médecin, ce sont des Congolais. Le meilleur médecin en Afrique du Sud, ce sont des Congolais. Je vois les Sud-Africains quitter l'Afrique du Sud pour venir prendre des soins médicaux dans la clinique universitaire, dans le Congo. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui que nos frères, basent que nous en Afrique du Sud, pour se contenter de miettes, parce que la réalité c'est quoi? La réalité, les Congolais n'ont pas les... Ils ne contrôlent pas l'économie sud-africaine. Ils se contentent de miettes. Quels travaux? Ils ont quelques-uns qui ont fait des études, qui sont casés quelque part, ils sont à compter à bout de doigts. Mais la majorité d'entre eux se contentent de miettes. Basa la gardiennage, basa la kiboy, basa la tout ça. Pourquoi? Parce que, effectivement, leur propre pays n'arrive pas à leur offrir des opportunités pour qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie. C'est ça même la vision. Il y a projet de société à Fayulu. Bâtir une république démocratique du Congo prospère, qui soit capable d'offrir aux Congolaises et aux Congolais les opportunités d'améliorer leurs conditions de vie. Il y a moins des autres là. Donc, c'est une interpellation. C'est une interpellation pour que tout travaille. Mon cannabiso est à la malam, misala est à la, kotang est à la malam, kolia est à la malam. Comme ça, tu peux garder la plus grande ressource que nous avons, c'est-à-dire les ressources humaines, les capacités, les expertises humaines. Ah, la katambo cannabis, on a besoin d'un gros. Donc, pas si nous avons le devoir de faire en sorte que le Congo soit à mesure,
y a qu'à prendre en charge ses filles et ses fils. Parce que, en fait, pas l'économie, c'est pas beaucoup de pamba. Bateau, bazar, bazar, contrôler l'économie sud-africaine, ce sont les blancs qui ont les entreprises, tout ça, tout ça. Ben, l'économie, c'est pas beaucoup de pamba. C'est parce que la mboka, la mango, pas c'est l'équi. Donc, xénophobie, t'as condamné en haut, mais il faut aller plus loin. C'est-à-dire que faire en sorte que mboka, oyo, et bonga, ben, l'économie, c'est pas beaucoup de pamba, libanda, bako, zonga. C'est ça le combat que nous menons. Il faut commencer d'abord par respecter la volonté du peuple. Lorsque le peuple a qu'une urne à voter Moutou, respectez Chouanaye. C'est à ce moment-là qu'on va construire Mboka Oyo, ils ont état de droit, Mboka Oyo, ils ont respecté volonté du peuple parce qu'on l'appelle le souverain primaire. Donc, vraiment, pour Nabisso, ils ont mawa, mais tu dis que c'est tout ce que nous pouvons faire, c'est ton continuer de tomber de Zobunda pour. Donc, peupler le sol du Congo, mais assurer la grandeur de ce pays. Le Congo doit être grand pour que ma Congolaise, dans ma Congolaise, elle la respecter partout où ils seront à travers le monde. Et non, Tokoma, la risée du monde. Quand on parle du Congo, on parle de président nommé. Quand on parle du Congo, on parle de sénateur corrompu. Quand on parle du Congo, on parle de tourments de 15 millions. C'est ça l'image qu'on envoie à l'extérieur. Bato ba respecter binon ngeni. C'est ça le sens du combat de la Mouka. C'est ça le sens du combat du peuple. Et c'est ça le sens du combat que nous sommes en train de mener, madame. Et bonjour, monsieur Adrien Malenga. Pour la Likambo et 15 millions de dollars, la Mouka et Kosala Nini par rapport à ça, pour être battu, on peut passer par la Likambo. Est-ce que la Mouka, plateforme la Mouka, est décidé que ça la marche, tout est là, comme Moko Songolo par rapport à dossier Wana? Bah, tu as la marche pour la dossier. On a 15 millions de conséquences. Il y a les Kambomoko. Hold-up électoral. Donc, quand on a la vérité des urnes, quand on obtient la vérité des urnes, on résout tous les problèmes. Parce que bah, 15 millions, c'est quoi? Et il y a hold-up électoral. Les gens qui ne se sentent pas redevables vis-à-vis du peuple parce que le peuple n'a pas monté. Ils ont pouvoir la maman à COP. Bah, tu ta COP, la maman va s'enrichir. Alors, la vérité des urnes, c'est le combat qu'il faut mener pour mettre fin à la malversation de la Nyonso. Et nous avons des activités, nous avons énormément d'activités, il y a de toute nature, notamment, enfin, bien entendu, conformément aux lois de la République, ceux-là, bah, républicains, mettent au mener d'action pour mettre fin à ce régime qui vient encore davantage paupériser notre peuple. Parce que lorsque vous volez l'argent du trésor public, c'est pour, à la fin, paupériser la population. Donc, nous allons mener ce combat-là de la vérité des urnes. Et dès que le combat de la vérité des urnes sera gagné, vous allez voir que toutes ces histoires de 15 millions... Parce que ce n'est pas seulement l'affaire de 15 millions, madame. Ils ont octroyé des marchés publics de gré à gré en violation de la loi sur la passation de marchés publics. Ma construction à Banda, pour ceux qui préfabriquaient des histoires comme ça, des millions qui sont sortis, ce sont des dossiers. Donc, ce sont des jouisseurs qui sont au pouvoir pour s'enrichir. Bah, comme on parle en désordre, dès qu'ils arrivent là, bah, couple, ma couple, Koti, commence à se marier en désordre. Donc, c'est comme ça. Cette affaire-là, bah, marcheur, bah, salarié, bah, octroi, bah, marché, de gré à gré, tout ça, en violation de la loi sur la passation de marché, ce sont des dossiers togolandais de l'Ango. Donc, madame, pour répondre à la question, c'est ça. Tous ces actes-là justifient effectivement le combat pour la vérité des urnes. Parce que dès que ce combat-là sera gagné, la République va se débarrasser de tous ces pilleurs pour mettre en place un régime qui sera véritablement légitime et qui sera redevable vis-à-vis de la population.
Et bon, au fond, la suite, c'est un combat avec M. Adrien Malenga. Et là, on est là, on est là, on est là, parce que tout le monde a qui n'est bandé, là, on est là, qui chaud dans ma marche, qui chaud dans ma cambo, belé, belé. Mais là, tout le monde, moi qui m'y écoute, M. Martin Fayulu m'a dit, azo bongisse là-bas, en bocanine, bah, oh, n'y a pas de signe, la vérité des gens. Non, la mouka a un calendrier à Baxion Azo Mene. Le coordonnateur actuel, Jean-Pierre Bemba, a inscrit qui mandat naïe dans l'angle diplomatique. Il y a des démarches diplomatiques et je sais, par rapport à combat vérité des urnes. Moutra moutra mandat naïe azana touche naïe azo mené na gata combat. Mais nous avons un calendrier des actions. Ce calendrier des actions va être rendu public très bientôt. Mais autour du motouna pour le président élu Martin Fayulu Madidi, lui, il est le président élu. Activité Zali, je t'apprends que le 22 de ce mois, na Founa, na Makala, nous avons un grand meeting, c'est-à-dire un grand rendez-vous avec le peuple congolais. Donc, rendez-vous, on a, et Zali pris le 22, le président élu sera devant le Congolais, Aïbi Sabango, et puis orientation ni autre, on peut s'en attaquer à combat pour la vérité des urnes. Donc, nous allons avoir en français, soit mal à eux en patience, le 22, pour qu'on ait une orientation. Oh, pour vous, t'es pas mon Kambiamboka. Mais le calendrier des actions de la Mouka sera publié par le coordonnateur actuel, le président Jean-Pierre Bemba. Et bonjour, monsieur Adrien Malenga, la Lingiocha, au Bakisamanda Mamoua par rapport à Yamakambo, président de la République. A outre que ça, dernièrement, on a l'Emba Awa. Tout le monde a bon ici, école, mon côté, ok, il est sous qu'on visite l'école, nous sous les amis, nous pendis, tout le monde est président de la République à Salirien. Les Cambouans, les Anini, est-ce que le bateau va zaki, nous pendis, naïe, basu, bambon, on va lié, tout, qu'est-ce qui se passe, M. Adrien Malenga? Parce que jusque-là, bien sûr qu'il a promis aussi que ban abortant à ma classe au filet, mais jusque-là, la école, nous sous, ou les catholiques, mais l'école, nous sous, il y a l'État jusque-là, et comme il a nous filé, était M. Adrien Malenga. Leadership faible, manque de vision. On n'a pas été préparé à prendre le pouvoir. C'est ça, en fait, la réalité, madame. Parce que, en fait, ce que tu as dit, programme, net, oh, Bisso, Lamouka, oh, le président Martin Fayulu, Azala Kinango, il faut d'abord commencer par faire ce qu'on appelle l'état des lieux de l'éducation dans notre pays. Quand on lance la gratuité, l'enseignement primaire et secondaire, il faut savoir combien d'élèves vont entrer dans le circuit scolaire. À partir de là, vous dites, nous avons besoin de quelle infrastructure pour toi, Mbaba Nawana. Combien de cols boni, la province Baza boni, il faut que tu aies de cols boni. Nous avons besoin de combien d'enseignants. Tu confus ta bango boni. Frais de fonctionnaires de cols et de cela et de cela nini. Bango mon comprime de bango c'est qu'on améliore la condition d'enseignants et de cela nini. La remise à niveau de ses enseignants et de Senga Nini, Waneza Moutouaz a une vision, a besoin à l'ouka solution à un problème Mokozadre. Est-ce que la République démocratique du Congo a besoin de réflexion? Un président de la République qui se déplace pour aller inaugurer une école qu'on a réflexionnée, avec tous les problèmes que nous avons dans ce pays, même pas le ministre de l'Enseignement, même pas le gouverneur de la ville. Et puis, Yomo, bien, à côté là, il y a une école de l'État, on est pas autant dans ma belle. Et voilà, ils ont un mot saupoudrage en français. On laisse ma foutre dans le tabac. Pour la distraire, en principe, il n'y a pas une véritable politique pour redresser l'éducation nationale. Il n'y en a pas. Bako tâtonné, Zimbabwe tâtonné, pratiquement la même chose que Kabila avait faite. Tant qu'on a même mis son engin, sa RTNC, pour révolutionner la modernité. Vous avez vu ça où? Ces engins-là ont disparu. Rien n'a été fait. C'est exactement la même chose. Donc, c'est-à-dire que les habitants qui ont au côté du pouvoir, aux acquis prévus, aux pouvoir, aux comiques, aux tâtonnés, aux simbabwe, mabé, saut de mouton, mabé, aux bambanzela, mabé, aux réflexionnés, école, mabé, et une école, une petite école, là, le président de la République se déplace pour aller réflexionner en plus. Tout le monde s'est placé au barbique, non, il va inaugurer symboliquement la construction, par exemple, de 500 écoles dans telle province. C'est ça la vision. C'est ça la vision. Donc, c'est-à-dire que les gens ont saupoudrage et aussi ils ont parce que yé moko d'ailleurs mukolwana yé moko mutozo lobana mukolwana ba batunier ceux qui écolent les a gratuits à je ne sais pas.
Mais tu l'as dit, Félix Antoine. Il m'a dit, posé une question, est-ce que l'école est gratuite? Il a dit, je ne sais pas. Vous êtes journaliste, vous avez des images. Alors, si vous avez dit, il m'a 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 dit, je ne sais pas. Clairement, comme ça, tout bonnement, il vous dit, il ne sait pas. Parce que la question de l'autre manière, il y a une gratuite alors que il y a une école gratuite alors que il y a une maman Mariana. Voilà, monsieur Adrien Malenga, tout comme Kokoma lentement et sûrement Nasuka. Mais avant tout comme Nasuka, moi, question, je suis un peu Toyoki, tout moni lettre, ou et le billet de Komoïse Katumbi Azali suspendu. Quand il y a plateforme, la Mouka, qu'est-ce qui s'est passé? Le Ronin et les Kaki, ou Bokomouti n'a pas à suspendre de Komoïse Katumbi. Non, mais c'est un fake news. C'est un fake news simplement parce que nous avons informé que avant Netimoto Azala suspendu au niveau de la Mouka, leader, il y a Trump, il y a le président Moïse Katumbi, il faut présider mais se réunir. Présidium et se réunir et puis élever option on a. Présidium et se réunir. Donc M. Moïse Katumbi n'a pas été suspendu. Au Monakiwana, ce sont les gens au Balingi Bazara toujours n'a pas ça baby ça la mouka, basali loko basala kiwana, pour ba donner le papa en fait bako sa peuple que notre barabazo ba peuple que la mouka unité zalite tout ça. Donc le président Moïse Katumbi est bel et bien dans la mouka, il n'a pas été suspendu. Au moment là qui sur les réseaux sociaux et avec la fake news, c'était quelque chose qui était monté, mais notre bakaka coup d'épée dans l'eau. Voilà, merci beaucoup monsieur Adrien Malenga, comme que comme Anasuka émission na biso to le Belambuka, hein, na répéter ka les sous-souhaits c'est tout le Belambuka les émissions oyo to le Belaka politique, tout le Belaka mai oyo le kaka, mai nyoso oyo le kaka na mboka na biso kitoko République démocratique du Congo. Monsieur Adrien Malenga, un petit mot de la fin, ton numéro que couper ça na balance na biso bazola na biso. Non, mais le lobao to ko bezali ka que nous sommes nous résolument engagé avec notre peuple dans le combat pour la vérité des urnes. Parce que combat en année et aux ongles, ça bon monte à la Congolais. Combat en année au salaire que souveraineté à peuple et aux ongles pas à peuple. Donc nous allons continuer ce combat jusqu'au bout. Numéro la mission pour la contact, donc plus 243-90-288-93-71, plus 243-90-288-93-71. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à toi, monsieur Adrien Malenga. Je suis la Camille Soki Nayambio de Soussou. Na plateau na biso to le Belamboka émission na bino ya biso bonso ya batunyo so partout dans le monde Vision News et comme à partout en tout cas sans limite. Merci na bino bay obozaki kolanda biso. Merci na moni bon na sima ya caméra Eric Abidel na mupandi na ye ndekope o azai ko sunga ye Karine Karishou. Merci beaucoup à mon président Edgar Mukondi. Merci beaucoup na bino bonso bay obolunga kangai Mariana na ba ope bolunga na bino ngate mo ba commentaire na bino beaucoup maka en tout cas et ça la va bien. Donc voilà tout comme dans ce émission la biso ce que l'ingi oloba topé sa vie na yo par rapport à émission ya lelo ba numéro ekoleka na se ya ba téléphone na se ya ba laptop na bino o boko ko benga to kopé sa ba vie na bino. Donc voilà tout koutani à la prochaine kaka na Vision News télévision. Abonnez-vous massivement botika toujours scotché hein et belé boza la belé 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 bo benga ba o nan bazali abonné na Vision News télévision ba s'abonner pour être batala baye ba makamunini et kaka na mboka na bino Congo. Alors moi Mariana Tabou, je vous dis au revoir.